Bienvenue à nouveau au garage de Gecko. On fait juste un check-up de Bobby le bus. On a presque fini. Attendez! Les mécaniciens! Je suis encore en haut! Ah! Bobby! Bobby! Oh mince! Il ne peut pas m'entendre! Les mécaniciens! Vite! Faites quelque chose! Regardez! Un pont droit devant! Wow! C'était vraiment moins une! Ouh! Oh, regarde! Un pont haut! Bonne idée, les mécaniciens! Il faut juste que j'attrape l'échelle! Oh! Raté! Et maintenant quoi? Oh! Wow! Bien joué, Jaune! Tu as sauvé la journée! C'est bon, Bobby! Tu ne savais pas! Et personne n'a été blessé! Merci pour votre aide, les mécaniciens! Qu'est-ce que je ferais sans vous? Au revoir! Nom d'un tournevis, les mécaniciens! Cette porte est vraiment coincée! C'était toi, Tilly? Regardez! C'est Trevor, le tracteur! Oh! On dirait que tu as besoin d'un coup de main! Suis-moi! Nom d'un petit boulon! Je vois déjà le problème! Nous devons réparer tes rouages. Bien. Il nous faut de l'huile pour engrenage et... la clé à molette super solide de grand-mère Gecko. Attention, les mécaniciens! Ah, il faut de très bons muscles pour soulever cette clé à molette! Ah, voilà, c'est bien mieux! Ce sont des rouages de luxe! Essaye maintenant, Trevor! Les tracteurs ont besoin d'un bon moteur pour porter des charges lourdes! Peut-être que Trevor pourrait utiliser sa force pour nous aider! Tirez maintenant, les amis! Hourra! Super travail, l'équipe! À très bientôt, Trevor! Au revoir! Bonjour à tous! On a une journée chargée! Bébé Camion et Max ont besoin d'un changement de pneus! Mais où est Max? Bonjour, Max! Allez-y, les mécaniciens! Jaune! Oh! Jaune a roulé et s'est cogné la tête! Alors à vous de jouer, bleu et rouge!
les chauffeurs. Allez, viens, Jaune. On dirait que les pneus se sont mélangés. Ce n'est pas grave. On fait tous des erreurs. Il nous suffit d'échanger les pneus. Ne t'inquiète pas, Max. On va vite régler le problème. Ouh, hi-hi. Burk. Oh. Bébé camion, on voit bien que tu t'amuses. Mais ce sont les pneus de Max. Est-ce qu'on peut les lui rendre maintenant? Ah, bien joué, bébé camion. C'est important de toujours rendre ce qu'on a emprunté. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Il semblerait que notre amie Elena ait besoin de réparation. Si, Gecko. Le bras excavateur est coincé. Il est vraiment coincé. Je vais jeter un coup d'œil. Chut, les mécanos! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gecko, alors faisons-lui la meilleure fête surprise de tous les temps! Ça veut dire garder le secret, d'accord? Pourrais-je avoir une clé, s'il vous plaît? Mécanicien? Mécanicien? Ah, merci, Rouge! On dirait que notre château gonflable a besoin d'un peu plus d'air. Jaune, pourrais-tu tenir ces ballons un instant, s'il te plaît? Bleu, vérifie donc pour grand-mère Gecko. Elle sera là d'un instant à l'autre. Jaune? Oh, Jaune! Oh non! Oh, Rouge, je sais ce qui se passe à présent. J'ai trouvé comment améliorer le bras excavateur d'Elena. Prenez vos outils, c'est l'heure de réparer. Et tandis qu'on répare, on essaye de rimer. Pour manœuvrer les pièces doucement et rapidement, utilisons de l'huile pour les lisser vraiment. Et si nous ajoutions quelque chose de nouveau? Ton bras excavateur fera plus de travaux. Tous les problèmes ne sont pas saisis ou remorqués. Il faut de nouveaux outils pour te diversifier. Avec ton nouveau bras excavateur en place, il n'y a aucun problème auquel tu ne peux faire face. Gecko! Jaune tient trop de ballons et il s'envole dans le ciel. Bamonos! On arrive, Jaune! Oh! Ah! Ces ballons rendent son approche très difficile, Gecko! Hein? Il est temps de tester mes améliorations au bras excavateur d'Elena! Essayons de repousser Jaune vers le garage! Pour faire descendre Jaune correctement et lentement, faisons sauter un ballon à la fois. Accroche-toi, Jaune! Tu es presque en bas! Non! Ouf! Jaune va bien! Hein? Écrou et boulon, que se passe-t-il, Kat? Surprise! C'est pour ton anniversaire! Nous sommes ici pour célébrer à quel point tu comptes pour nous tous! Feliz cumpleaños, Gecko! Merci beaucoup, tout le monde! Faisons la fête! Bouh! Joyeux Halloween à vous tous! Bienvenue dans notre garage macabre! Ça doit être Trevor qui livre ses citrouilles d'Halloween. Oh non! Quelqu'un a volé les citrouilles de Trevor! Qui pourrait être si méchant à Halloween? On va t'aider à trouver tes citrouilles, Trevor, maintenant qu'on a fini de décorer le garage. Viens voir! Nos célébrations ont été trop brèves. Il semble qu'il y ait un voleur d'Halloween.
Entrez donc et faites-vous une frayeur. Ma maison hantée est une valeur sûre. Pas si vite. Ça vous coûtera un seau de bonbons chacun. Non, Sly, espèce de champ de citrouille trop mûr. Oh. On dirait que Carrie a des problèmes. Allez, Bleu. Barry est en danger. Montre-nous le chemin. Nom d'un tournevis effrayant. On va te sortir de là, Barry. Merci, Bleu. Tu es bien mon chevalier en armure étincelante. Allez, allez, Barry! Aide-moi, Gecko! Je vais vous aider, Monsieur Weasel, si vous promettez de rendre tout ce que vous avez volé. Ah, ok. Je le promets. Voilà, Trevor. Maintenant, tout le monde peut profiter de tes citrouilles d'Halloween. Oh, je déteste la citrouille. Oh. Ce n'est pas drôle. Au revoir tout le monde. Joyeux Halloween. Venez les mécaniciens. Aujourd'hui, on a la visite de Fiona. Waouh. Je suis Will Watty Weasel, patron des roues Weasel. Entièrement automatisé pour une réparation rapide. Bonjour, Monsieur Weasel. Je suis Gecko. Ah, voici mon premier client. Chaque tâche est faite rapidement. Donc on peut dire que les roues Weasel sont numéro 1. À plus tard, grenouille. Mon nom est Gecko. Très bien, Floella. Ce ne sera pas long. Je ne suis pas sûr de savoir quel bouton démarre le programme. Oh! Appuyons sur tous les boutons, ça devrait marcher. Reviens me voir, Félicité. Ça, c'était rapide. Oh, ciel! Elle n'a pas l'air bien! Viens donc, Fiona! On va regarder ça! Voilà le problème! Weasel était tellement pressé de faire les choses qu'il a mis du savon dans ton réservoir au lieu de l'huile! On a réparé le problème correctement! Maintenant, Fiona roule sans bulle! Je suis sûr que j'ai appuyé sur le bon bouton. Hein? Burk! Oups! À très bientôt, au garage de Gecko. Au revoir! Bonjour à tous. Bébé Camion est venu pour jouer avec les mécaniciens. Je viendrai bientôt jouer. Je dois juste finir de changer les roues de Fiona, le camion de pompier. Quelqu'un a besoin d'aide. Oh non! Il y a un incendie et Fiona ne peut pas aider. On n'a pas fini de changer les roues. Qu'est-ce qu'on va faire?
Ah ah, c'est ça, la station de lavage. Bébé camion, ça te dirait d'être un camion de pompier pour la journée? Allez, allez, bébé camion de pompier! Tout va bien, Trevor. N'aie pas peur. Les pompiers de Gecko sont là. Oh non! Il y a une fuite! Occupe-toi, Rouge! Tout va bien, Rouge! Pas de problème, Trevor! Ah, et bravo, bébé! Tu fais un très bon camion de pompier! Au revoir tout le monde. C'est maman camion et bébé camion. Pourquoi vous attendez ici? Le tunnel est bloqué et vous ne pouvez pas passer. Je vais jeter un coup d'œil. Waouh! Il y a eu un effondrement. Ah! Ah! Un autre effondrement. Nous sommes piégés à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma boîte à outils. On va avoir besoin d'une plus grande boîte à outils. Même Tilly n'est pas assez fort pour déplacer le rocher. Comment allons-nous sortir? T'es si forte! Maman camion a sauvé la journée! Je ferais mieux d'appeler Eric la pelleteuse pour enlever toutes les pierres! À bientôt pour d'autres aventures au garage de Gecko! Et voilà, Eric! Ça va mieux maintenant? Oh! Qu'est-ce que c'était? Oh, c'est Max, le Monster Truck! Il ne devrait pas jouer ici! Les chantiers sont dangereux! Regarde le désordre qu'il provoque. Oh non, Max est en panne de carburant. Il faut le sortir avant que le béton ne sèche. Vite, les mécaniciens! Allez chercher le carburant de secours! Oh mon Dieu! Ce béton sera dur dans moins d'une minute! Ah! Hein? Mais comment allons-nous donner le carburant de secours à Max? Oh! Eric a fait un pont! Thank you.
Waouh! Le béton est presque dur. Allez, Max, allez! On dirait que Max a appris la leçon. Merci, Max. Une autre panique derrière nous. À la prochaine fois. Au revoir. Bonjour, tout le monde. Nous allons à la plage aujourd'hui. Rappelez-vous, les mécaniciens. Ne prenez que ce dont nous avons besoin. Hein? Porte de garage, ouvrez-vous en grand. Il est temps d'aller au bord de la mer. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. Vern ne peut pas attendre pour une crème glacée. Oh non! Vicky est en panne. Jetons un coup d'œil. Ah, je vois le problème. On va te remorquer jusqu'à la plage et je te réparerai là-bas. Tu vas bien, Tilly? Si tu as besoin de faire une pause, dis-le-moi. Oh! Oh! Nom d'un tournevis qui tourne! Maintenant, on est coincé. On va te ramener à la maison, Tilly. Mais d'abord, nous devons aider Vicky. Pas étonnant que tu te sentes fatiguée. Une bougie toute neuve est ce qu'il nous faut. Ah. Tu ferais mieux d'y aller, Vicky. Nous irons à la plage un autre jour, les mécaniciens. On doit d'abord réparer Tilly. Salut, Trevor. Pourrais-tu nous aider, s'il te plaît? J'ai une bonne idée. Merci, Trevor. Tu es comme neuf. Ah, notre cher ami Tilly. Nous t'aimons plus que tout. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est d'un repos bien mérité. Mais d'abord, sortez tous. Vous méritez tous une récompense spéciale. Tada! Si nous ne pouvons pas aller à la plage avec nos amis peuvent nous apporter la plage. Au revoir, tout le monde! Bienvenue de nouveau au garage de Gecko. Nous venons d'installer notre système d'alerte d'urgence. Hein? Quelqu'un doit avoir des problèmes! Allez, allez, Tilly la dépanneuse! C'est Eric, la pelleteuse! Je crois qu'il a heurté un rocher. Regardez, on dirait même qu'il a cassé sa chenille. Oh! Oh, bleu! Je sais que la tempête est effrayante. Mais on a besoin de ton aide. Tu arriveras à être courageux pour nous. Ouh, je ne peux pas l'atteindre. Et je suis trop grand pour passer par ce trou. Oh. Oh là là, il faut faire vite. Je crois que le barrage va déborder. Aïe.
Bleu est assez petit pour passer dessous. Bravo, Bleu. Tu es très courageux. Oh non! Le barrage va s'effondrer. Dépêche-toi, Bleu. Oh, bravo, Bleu. Tu as affronté tes peurs. Et regarde, un arc-en-ciel. Salutations de Gecko. Au revoir. C'est le camion à Ben Dylan. Comment peut-on t'aider aujourd'hui? Tu as des problèmes avec ta Ben Dylan. Allez, les mécaniciens. Je vois. Ton camion à Ben continue à se déverser et à se vider. Voyons cela. Je pense que le piston a besoin d'être remplacé. Débrancher ce câble va l'empêcher de se vider. Pendant que je vais chercher un nouveau piston. Ça va régler le problème. Oh. Hein? Comment est-ce que ça a pu être rebranché? Oh. C'est donc toi qui as rebranché le câble. Oh, c'est bon. Tu t'es bien amusé. Maintenant, on peut finir le travail. Voici ton nouveau piston, Dylan. Mais j'ai une idée pour ce vieux piston. Ok, les mécaniciens, c'est fini. Regardez votre nouveau toboggan, fait avec l'ancien piston de Dylan. Oui! Passe-moi une clé à molette, s'il te plaît. Ce boulon est desserré. On ferait mieux d'y aller, Tilly. Il ne faut pas être en retard. Du garage s'ouvre à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule. Bonjour les mécaniciens. Debout de bonne heure pour une nouvelle journée de travail. Bleu? Nom d'un petit boulon. Je pense qu'il est somnambule. Réveille-toi, Bleu. Un garage n'est pas un endroit sûr pour les somnambules.
Bleu, bleu, bleu. Wow, un nid de poule. Je vais demander à Dylan le camion à Ben et à Eric la pelleteuse de le combler. Oh mince! On dirait que Bobby le bus a des ennuis. Nom d'un chien! Il a eu un accident! Sortons-le de là, Tilly! Ne t'inquiète pas, Bobby! On va te réparer et te remettre sur la route! Porte du garage, ouvrez vite! C'est le moment d'aider un véhicule dans le besoin! Maintenant, il faut trouver ce qui ne va pas, Bobby! D'abord, on va vérifier tes yeux! Allez, les mécaniciens! Tu n'as aucun problème avec tes yeux, alors. Vérifions tes roues. Pas de problème avec tes roues non plus. J'ai trouvé le problème. Tu as un essieu tordu. Ne t'inquiète pas, on va vite le redresser. Plus de zigzag pour toi. Ton essieu est maintenant comme neuf. Je suis content qu'on ait pu remettre Bobby sur pied. C'est si bon d'aider un ami. Bonjour tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus, tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là, Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez les mécaniciens. Aïe! Non! Ce n'est pas ça. Attends une minute. Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Hurrah! Bien joué, bleu. Bien joué, vert. Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au garage de Gecko. Au revoir! Ah, voilà, maman camion. Tes indicateurs vont bien fonctionner maintenant. Heureusement que j'ai toujours des ampoules de rechange. Ah! C'est Molly qui joue avec son jouet favori. Et avec bébé camion aussi. Assure-toi de le partager. Pauvre bébé camion,
Tu as un bobo, mais tu vas t'en sortir, je te le promets. Molly? Jetons un coup d'œil sur toi maintenant, Molly. Tu vas bien? Hein? Oh non! Molly a une fuite d'huile. Je n'ai pas les outils pour pouvoir la réparer ici. On doit te ramener au garage. Rapidement! Je vais avoir besoin de ton aide, bébé camion. Peux-tu garder la route dégagée afin que je puisse vite amener Molly au garage? Tout le monde, allons-y rapidement. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Oh non! Eric et Dylan bloquent la route. Merci Eric et Dylan. Bien joué, bébé camion. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. T'inquiète pas, Molly, nous sommes là pour toi. Et tu seras comme neuf quand on te réparera. Grâce à notre équipe et aux outils, on répare chaque partie de chaque ami. Réparons, soudons, vérifions et puis recollons toutes les parties. Cette réparation t'a rendu plus forte qu'avant. Tu ne perdras plus d'huile dorénavant. Oh, on n'aurait pas pu la réparer sans ton aide, bébé camion. Oh, et regarde, Bleu a réparé le jouet camion. Bien joué, Bleu. Et bravo pour le partage, vous deux. Je suis si fière de vous. Au revoir, tout le monde. Viens donc, Vert. Chargeons tous ces vieux trucs dans Tilly. Oups. Désolé, Jaune. Ce vieux sofa doit aller à la déchetterie. On ne peut pas le garder. C'est la famille Camion. Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion. Oh non! Pauvre bébé camion, quel atterrissage difficile! Si seulement il y avait un moyen de le rendre plus doux. Qu'est-ce qu'il y a, maman recyclage? Tu as une idée? Bébé camion, tu devrais atterrir en douceur cette fois. De rien, bébé camion. Oh, merci, maman recyclage. C'est toujours bien de faire quelque chose de neuf avec quelque chose de vieux. Eric, ton bras devrait être à nouveau comme neuf. Les mécaniciens, que faites-vous? Oh, je vois. Vous cherchez un trésor de pirate. Bien, Moussaillon.
C'était quoi ce bruit? Eric a trouvé quelque chose. C'est peut-être un trésor enfoui. Je me demande ce que c'est. Oh, jaune. Ce n'est peut-être pas de l'or, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un trésor. Oh! Tada! C'est un vieux wagon de chemin de fer, les amis. Il manque quelque chose. Ah! Waouh! Eric a trouvé l'ancienne voie ferrée. Essayez maintenant, les mécaniciens. Tu vois, ce n'est pas parce que quelque chose n'est ni en argent ni en or que ce n'est pas un trésor. Allez, les mécaniciens. Bonjour à tous. Nous allons rendre visite à Kat. Elle m'a demandé d'apporter des objets spéciaux appartenant à mon grand-père. Et nous y voilà. Waouh, oui! Oh, oh, Kat. Tu es là? On a vu ton bel étalage et... Calme-toi, Gecko. Hein? C'est juste de la peinture pour El Día de los Muertos. Día de los Muertos? C'est quoi ça? Ça signifie jour des morts. Ma famille célèbre cette fête pour se souvenir des êtres chers qui nous ont quittés. Mi ama, ma mère, était un as du pilotage. C'était sa boussole. As-tu quelque chose de ton grand-père? Mon grand-père était inventeur. Avant de mourir, il a fabriqué les fameuses lunettes Gecko. Un petit gadget pour aider à mieux voir dans toutes sortes de situations. Je connais ce klaxon. C'est Bobby le bus. On dirait qu'il a des problèmes. Oh, ce n'est pas bon. Il fait trop sombre pour voir. Gecko, ils ne sont pas loin. Elena a des feux et peut trouver Bobby dans le noir. Bonne idée, Kat. Oh, c'est encore trop sombre. Je ne peux pas voir Bobby. Que ferait mon grand-père? On n'a pas besoin de lumière supplémentaire. Ces lunettes Gecko fonctionnent mieux la nuit. Là, je vois Bobby. Préparons-nous à atterrir. Je vais contacter Tilly par radio. Je suis content qu'on t'ait entendu, Bobby. On dirait que ta batterie est à plat. On peut le charger à ma base. Parfait, Kat. Et avec un peu de remorquage, on peut faire avancer Bobby. Une batterie déchargée n'est pas un problème, mais elle doit être rechargée sur le champ. Et voilà, ta batterie sera pleine au matin. Tu as fait un superbe travail en trouvant Bobby dans le noir, Gecko. C'est grâce à toi, grand-père. Tes lunettes Gecko ont sauvé la mise. Même si tu ne peux pas le voir, ton grand-père est toujours avec toi, Gecko. Oui, je suis content qu'il le soit. Bonjour tout le monde. On vient d'installer une toute nouvelle brosse au lavoto. Voyons voir si elle fonctionne bien. Youpi!
Ça marche à merveille. Bien joué, les mécaniciens. Avec ce nouveau moteur, je suis la belette la plus rapide en ville. Oh là là, je n'aime pas l'aspect de tout ceci, les mécaniciens. Burk, attention, les mécaniciens. L'huile s'est renversée partout. Arrêtez-moi ça. Nom d'un tournevis qui tourne. Monsieur Weasel est hors de contrôle. Oh, quelle énorme et méchante marée noire. Nettoyons-la de suite, vite et bien. Mais cette huile est très collante. Oh, nous allons avoir besoin d'une plus grande brosse. Oh, bien sûr, nous pouvons utiliser la vieille brosse du lavoto. S'il vous plaît, pouvons-nous l'attacher à vous, maman recyclage? Prenez des outils, c'est le moment de réparer. Et en même temps, chantons en rythme. Pour que ce soit propre et beau, attachons cette brosse de lavoto. En rond, on la fera tourner. De l'huile, le sol sera lavé. Tournez la brosse, vite fait, bien fait. Et adieu l'huile à jamais. Prêt tout le monde? Allez, allez, allez! Bien joué, maman recyclage. Ça marche. Travaille tout le monde. Maintenant, tout est beau et propre. Oh, contrairement à Monsieur Weasel. Hein? Il se peut qu'on ait un autre client, Maman Recyclage. Au revoir, tout le monde. Ah, une réussite, les mécanos. Un autre client heureux. Oh non! C'est un désastre! Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Weasel? C'est Sly! Ma précieuse voiture de sport a une saleté! Sly peut utiliser notre station de lavage. Ma station de lavage Weasel est meilleure et de loin. Allez, Sylvestre, arrête de traîner. Tu dois être ici. Non. Pas moi, misérable robot. Sly, fais quelque chose, je t'en prie. Oh non. Espèce de clown maladroit. Sly a besoin de notre aide, Bleu. Vite, prends ma trousse à outils. Bleu, passe-moi ma clé à molette. Cette machine à laver Weasel est devenue folle. Vous allez bien, Monsieur Weasel? Mieux que jamais. Heureux de l'entendre. Oups, j'ai oublié la trace. Oh, tu es bien matinal, Eric. Ouh. Les mécaniciens,
Eric est impatient de faire ses réparations. Allez, les têtes endormies. Vous devriez être plein d'énergie après avoir rechargé toute la nuit. Faisons les réparations d'Eric pour qu'il puisse repartir. Ce qu'ils ont aujourd'hui. Hein? Waouh! Tu as raison, Eric. Leur prise de chargement a été débranchée pendant la nuit. Pas étonnant qu'ils soient si faibles. Allez, les mécaniciens endormis, c'est l'heure de se recharger. Oh! Échec et mat. Ouais! Ok, les mécaniciens. Vous êtes tous entièrement rechargés. Alors, mettons-nous au travail. Hihi, fini, Eric. On se revoit très bientôt au garage de Gecko. Bienvenue de nouveau au garage de Gecko. C'est une belle journée ensoleillée. Rouge, mets-toi en route vers le toit. Il va finir d'installer nos nouveaux panneaux solaires. Ils vont prendre l'énergie du soleil et la transformer en électricité propre pour tout le garage. Salut, Bobby. Waouh! Regarde-toi. Tu es tout sale. Alors qu'on t'a nettoyé seulement hier. Ce n'est pas grave. Splish, splash, splosh, activez le lave-auto de Gecko. Tout propre et prêt à reprendre la route, Bobby. Oh, tu es encore sale. Comment est-ce arrivé? Je crois qu'on va devoir te laver à la main. Ah. Lavage rapide. Tu peux reprendre ton trajet, Bobby. C'est donc ça qui te salissait. Ton vieux moteur à essence sale. Et que dirais-tu d'un moteur électrique tout propre à la place? Est-ce que les panneaux solaires sont prêts? Les panneaux prennent leur énergie du soleil et donnent de l'alimentation à Bobby pour démarrer. On se retrouve bientôt pour plus d'amusement au garage de Gecko. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée des héros. Le héros de bleu, c'est le capitaine Spanner. Oh, même les héros ont parfois besoin d'aide. Oh. Nous avons habillé Vicky comme son héros, Fiona le camion de pompiers. Pourquoi attendre, Trevor? Plus rapide, c'est mieux. Chaque travail est rapidement accompli pour que les roues de Weasel soient champions. Qui est ton héros? Je suppose que c'est moi. Turbo tracteur? Je veux dire, oui, turbo tracteur. Je peux accomplir cela. Facile.
Génial, l'équipe! Fiona est identique à son héroïne, Vicky le camion de crème glacée. Il ne reste que Trevor, Geeky. Puis, ce sera l'heure de la fête des héros. Ah, tournevis tournant! Quelqu'un a essayé de turbo-booster Trevor! Turbo-sabotage, plutôt. Je ne peux pas travailler avec ce tas de rouille. Si tu casses, ne reviens pas vers moi. Eh bien, je n'ai jamais... Trevor! Ne t'inquiète pas, mon cher. Nous allons défaire le sabotage de cette vilaine belette. Prenez vos outils et dites cette rime. Au garage de Gecko, c'est la réparation qui prime. Remplaçons ce turbo-compresseur par un tout neuf plus en largeur. Le travail de Weasel était bien incomplet. Ce refroidisseur abaissera la chaleur, c'est en fait. Un échappement chromé pour le X-Factor. Et Trevor ressemblera... à un turbo-tracteur. La fête est sur le point de commencer. Et je sais qui est mon héros. Tu es la meilleure mécanicienne de tous les temps, grand-mère. Et la meilleure grand-mère. C'est toi, mon héroïne. Merci, Geeky. Et toi, le mien. Parce que tu fais en sorte que tout le monde se sente comme un héros. Oh, merci, grand-mère. Au revoir, tout le monde. Oh, bonjour, tout le monde. Bleu et moi allons chercher un arbre de Noël pour le garage. Oh, c'est Bobby le bus. Il est coincé. Oh. Ce chocolat chaud va te réchauffer. Ne t'inquiète pas, Bobby. On va vite te décoincer. Oh. Ce n'est pas bon. Décroche-nous, Bleu. On va essayer autre chose. Oh non! Maintenant, Tilly est coincée dans la neige. Oh, cher Bleu, on dirait que nous sommes aussi coincés. Ne sois pas triste, Bleu. Quelqu'un va nous aider. Au moins, on a ce chocolat pour nous tenir chaud. Oups! Regarde! Le chocolat chaud a fait fondre la neige. J'ai une idée! Ça a marché! Accroche-toi, Bobby! Il n'y a pas de quoi, Bobby! Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire de cet arbre? Aha! Parfait! Joyeux Noël à tous! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, c'est Barry le bus. On dirait qu'il est pressé. Est-ce que ça va, Barry? Oh, tu as peur d'être en retard? Tu n'arriveras à rien comme ça, mon ami. Voyons voir ce que tu as. Vert, tu peux aller chercher ma meilleure clé à molette.
Oh, Vert, tu es stressé, n'est-ce pas? Je pense qu'on a tous besoin de respirer profondément. Laissez-moi vous montrer. D'abord, on prend une profonde inspiration. Ensuite, on expire. Maintenant, essaye. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà. C'est mieux? Souviens-toi, il est toujours bon de prendre une grande respiration si tu es stressé. Au revoir, Barry. Il est temps de repeindre le panneau, les mécaniciens. Bleu, tu peux aller chercher la peinture verte et emmener Jaune sur le toit pour nous aider? Oh mince! Fiona a reçu un coup sur son pare-choc. Viens à l'intérieur et réparons-le. Vert, il nous faut de la colle extra forte, s'il te plaît. La colle n'est pas censée être verte. Bleu et jaune doivent avoir la colle. Vite, rouge, monte sur le toit. Oh, pauvre rouge. On va devoir monter sur le toit d'une autre manière. Oh mince! Quelle situation délicate! Il faut te libérer avant que la colle ne prenne complètement. Fiona, on peut t'emprunter ton tuyau? Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. On va bientôt vous libérer. Bon travail, tout le monde. Fiona et moi avons l'air tout neuf. Bonjour tout le monde. Oh oh, il y a beaucoup de véhicules qui attendent pour utiliser le lavoto aujourd'hui. Ah, merci Bobby. Ah, Gecko a beaucoup plus de clients que moi. Mais si je casse son lavoto, tout le monde devra venir au mien. Oh, bébé camion. Que puis-je t'offrir aujourd'hui? Hein? Non, un tournevis qui tourne! Qu'est-ce qui arrive au lavoto? Nous devons l'éteindre! Oh non! Nous avons un lavoto en fuite! Oh! Oh! Oh, c'est vraiment trop drôle. Oh, oh. Ah! Bon sang, bon sang. Suivez ce lavoto. Ah, ne t'approche pas de moi. J'ai pris une douche la semaine dernière, merci. Non, 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 non. Ah! On doit se mettre devant lui. Les mécaniciens, allez, on y va. Les mécaniciens, montez et dévissez ce panneau de contrôle. Thank you.
Maintenant, coupez le fil rouge. Mais non, pas le fil jaune. Le fil rouge. Pas le vert. Le rouge. Ah, ouf. Bim, bam, boum. Nous avons arrêté le lave-auto en fuite. Mais, comment allons-nous ramener ça au garage? Salut tout le monde! Hey, c'est Max, le Monster Truck. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Oh, tu veux ressembler à ton héros, King Crash. Je crois qu'on peut y arriver, Max. Je vais prendre mes outils. Les mécaniciens, vous pouvez commencer. Voilà, j'ai pris mes outils. Les mécaniciens, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, vous pouvez tous penser qu'il est joli, mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Ne t'inquiète pas, Max, on va arranger ça. On a fini, Max. C'est ce que tu voulais. Un autre client satisfait au garage de Gecko. À la prochaine. Bonjour tout le monde. C'est l'anniversaire de Vert et on se prépare pour une fête à la plage. Oh, reste là. Ce sont des ballons à l'hélium et ils flottent dans l'air. Ah, tout est prêt pour aujourd'hui. On attend juste Fiona qui doit amener le gâteau d'anniversaire de Vert. Attention Fiona, ne roule pas sur le sable mouillé. Vite, la marée monte. Oh. On va te sortir de là, Fiona. Ah ah! On peut la soulever avec tous tes ballons, Vert. Je sais que tu aimes tes ballons. Mais Fiona en a vraiment besoin. On peut les utiliser, s'il te plaît? Ça marche! Ça marche! Oh oh! Ça marche trop bien! Elle vole! Non! C'est ça! Allez, allez les mécaniciens! Bon travail les mécaniciens! Et voilà qu'arrive le reste des invités de la fête! On est content que vous soyez venus. C'est super d'avoir partagé, Vert. Et joyeux anniversaire. Hourra! Peux-tu me passer une clé à molette bleue?
Ce n'est pas une clé à molette bleue, c'est une cuillère en bois. On dirait que c'est bébé camion. Je me demande pourquoi il y a tant d'excitation. Je vous présente le nouvel électro-aimant de Wilbur T. Weasel. Oh, comment je l'éteins? Oh, oh! Oh non! Weasel a des problèmes magnétiques. Tout va bien, Gecko. Si vous pouviez juste couper le courant en tournant ce boulon... Bleu, arrête! Un aimant attire tout ce qui est en métal. Oh non! Les mécaniciens! Oh, je sais, maman recyclage. Je dois couper le courant, mais je ne peux pas utiliser un outil en métal. Bien sûr! La cuillère en bois! C'est bon, les amis. Je vais vite vous libérer. Avec l'outil que j'ai fait à partir de la cuillère en bois. Ah, ça ne va pas marcher. Ouch. Est-ce que tout le monde va bien? Oh, super! On se revoit bientôt au garage de Gecko pour de nouvelles aventures. Au revoir! Bonjour à tous! Nous avons remplacé les anciennes roues de Trevor par des nouvelles. Ces pneus arrière sont énormes, avec une bande de roulement profonde pour s'agripper dans la boue. Et pour nous dire merci, Trevor nous a fabriqué un labyrinthe de maïs pour y jouer. Hé, grenouille, j'y vais d'abord. Bonne chance, Monsieur Weasel. Ne vous égarez pas. Allez, allez, dépanneuse Tilly. Trouvons notre chemin dans le labyrinthe. Ah, pas moyen de passer. Ce labyrinthe est trop difficile. Et à présent, il pleut. Oh, berk. Oups, pas par là, les mécanos. Essayons ailleurs. Ah, ce labyrinthe est défectueux. Nous devons battre Gecko. Réduisons ce parcours. Les labyrinthes sont si faciles. Oh, ah! Pousse-toi, crapaud bricoleur. Oh non, la pluie rend tout boueux. Et Sly est coincé. Tournevis glissant. Tilly l'est aussi. Je serai coincé dans ce misérable labyrinthe boueux pour toujours. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Weasel. Il y a toujours de l'espoir. J'ai une idée. Réponds, Cat. Hola, Gecko. Nous sommes coincés dans le labyrinthe et il nous faut les vieilles roues de Trevor pour aider Tilly à sortir de la boue. No problème, Gecko. Je peux utiliser le bras excavateur d'Elena pour vous aider. Quelqu'un a-t-il commandé deux roues et un étieu? Merci, Kat. À présent, c'est à nous. Prenez vos outils et dites cette rime. Au garage de Gecko, c'est la réparation qui prime. Nous remplacerons les roues de Tilly par l'ancien ensemble de Trevor, qu'elle puisse accrocher le sol boueux sans effort. Un essieu plus long est ce dont il y a besoin pour ses deux grandes roues et pneus géants. Avec ces nouvelles roues, nous pouvons vous annoncer que Tilly la dépanneuse est devenue Tilly le tracteur. Attendez-moi! Ça marche! À présent, laissez-moi vous guider hors d'ici. Maintenant, tournez à gauche. Vous y êtes presque. Maintenant, à droite. Nous avons réussi. Ah, bravo à tous. Mais je serai le gagnant. maman. Le travail d'équipe a gagné aujourd'hui. Au revoir, tout le monde.
Tu peux le faire, Molly. Hey, elle l'a fait. Ne t'inquiète pas, Molly. On va sauver ta peluche. Allez, tout le monde. Oh, oups! La peluche est sur Fiona. Suivez ce camion de pompiers. Fiona, arrête-toi. Qu'est-ce que... Allez, grenouille, laisse-moi passer. Wilbur T. Weasel arrive. Non. Le feu est toujours rouge. Attends, Fiona. Je dois regarder ton toit. Nom d'un petit boulon. Il a disparu. Ah, il était temps. Eh bien, une nouvelle mascotte pour partager nos voyages avec Sly. Où est mon appareil photo? Je veux prendre une photo. Et peut-être aussi que je vais utiliser la peluche pour nettoyer mes fenêtres. Oh, on va continuer à chercher Molly. Ne t'inquiète pas. On aurait une meilleure vue depuis le ciel. Nom d'un tournevis. C'est la peluche de Molly. Je ne m'attendais pas à ça. Où est-il passé, Sly? Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Au revoir, tout le monde. Bonjour, tout le monde. C'est la veille de Noël. Et ces lumières sont prêtes. Perfecto, Gecko. C'est merveilleux de passer la noche buena avec vous et les mécanos. Faites un vœu. C'est une étoile filante. Je ne suis pas sûre que ce soit... Oh non, c'est le Père Noël! C'est la dernière fois que je vais chez Weasel Wheels pour des réparations. Père Noël, tu vas bien? Je vais bien, mais mon traîneau est loin d'être en bon état. Ces cadeaux doivent être livrés avant le lever du jour. Il nous faudra remplacer le moteur au garage. Mais avec l'aide d'Elena, nous pourrons remettre le traîneau en marche et livrer les cadeaux en chemin. Prenez vos outils et réparons. Et pendant qu'on répare, chantons cette comptine. Tout d'abord, remorquez-le à l'intérieur. Bientôt, le traîneau glissera et sera bien meilleur. Ses skis sont endommagés et fissurés. Un nouveau jeu, il sera prêt à glisser. Elena a-t-elle des skis supplémentaires comme cela? J'en ai par ici. Merci, Kat. Thor et Boulogne les skis juste là. Et écoute bien, car on conduira. Maintenant, Elena, s'il te plaît, emmène-nous livrer ces cadeaux pour Noël avant tout. Superbe! Merci, Gecko. Il ne te manque qu'une chose. Oh. Merci, Père Noël. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Dépêche-toi, Kat, c'est presque le matin. Bien joué, les joyeux mécanos. On a sauvé Noël. Au garage. Eh bien, Père Noël, on dirait qu'il reste un dernier cadeau à offrir. Vraiment? Avons-nous oublié quelqu'un? C'est ton cadeau! Joyeux Noël, Père Noël!
Oh, merci, Gecko. Tu es bien un vrai ami. Joyeux Noël. Jusqu'à la prochaine fois. Oh, oh, oh. Bonjour à tous. C'est une chaude journée ensoleillée et nous allons à la plage. Tournevis détrempé. Le pont est fermé. Et Vicky ne peut pas livrer ses glaces. Je dois avoir de la glace. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Nous allons aider Vicky à se rendre à la plage. Venez avec nous. Voilà. J'ai fait quelques ajustements spéciaux pour aider Vicky à se rendre à la plage. Mais nous avons peut-être encore besoin de la fusée bleue. Bleu? Bleu! Les portes du garage s'ouvrent à grande vitesse. Il est temps d'aider tous ceux qui ont besoin de glace. Oh! Nous avons besoin d'un peu plus de vitesse. Maintenant, bleu! Ça ira, bleu! Nous ne voulons pas dépasser la piste d'atterrissage. Écrou et boulon, nous avons dépassé la piste d'atterrissage. Ne t'inquiète pas, Vicky. Gecko a toujours un plan B. Quel périple! À présent, qui veut une glace? Hors de ma vue, poubelle! C'est ma glace! Ma glace! À la prochaine fois, tout le monde! Au revoir! Ho, ho, ho! Bonjour à tous! Ici Gecko le Père Noël avec mes elfes! C'est les fêtes de Noël! Et le garage de Gecko s'est transformé en... la grotte de Gecko! Nous avons une liste de réparations festives pour nos amis. Leurs cadeaux sont emballés et prêts pour que les joyeux mécanos les installent. Ah! Tournevis et Reine, ils sont là! Préparez-vous tout le monde! Ho, ho, ho! Bienvenue Vicky, Fiona et Maman Recyclage. J'ai entendu que vous avez toutes été très sages cette année. La première sur la liste est Vicky. Tu as demandé un nouveau cornet de crème glacée. Rentre donc dans la grotte. Ton cadeau t'attend. Et Fiona, tu voulais une nouvelle lance à eau. Ton vœu aquatique sera exaucé. Maman Recyclage, tu as demandé un nouveau bras excavateur. Laisse donc mes elfes te donner ça. Ho, ho, ho! Oh non, non, non! Quelque chose ne va pas! Un bras excavateur pour Fiona? Un cône de crème glacée pour Maman Recyclage? Et un tuyau pour Vicky? Oh non! Nous avons une confusion mécanique! Allons, allons! Ne soyez pas tristes! Tout le monde fait des erreurs! Ce qui est important, c'est d'essayer de les réparer! Prenez vos outils, il est temps de réparer! Et tandis qu'on répare, des rimes à réciter! Allez tous, essayons à nouveau! Et au bon ami, le bon cadeau! Bras excavateur, crème glacée, tuyau d'eau! À qui revient le bon cadeau? Un tuyau d'eau quand il fait chaud? Pour Fiona, le camion pompier, il ne sera pas de trop! Le bras excavateur de Maman Recyclage est le suivant! Pour ramasser et recycler les déchets intelligemment! Plus qu'une réparation et on aura fini! Ah! Attachons donc la glace géante de Vicky! Bien joué, les joyeux mécanos!
Vous avez réglé la confusion juste à temps pour Noël. Lorsque des erreurs se produisent, il est toujours préférable de les réparer. Jusqu'à la prochaine fois, tout le monde. Joyeux Noël et heureuses fêtes. Bonjour à tous. Nous avons fait un pique-nique et il est l'heure de rentrer à la maison. Les mécanos, ne laissez rien derrière vous. Un, deux, trois, quatre mécaniciens. Bleu? Bleu! Où es-tu? Nous avons perdu Bleu! Vert, viens avec moi! Nous devons le retrouver! Porte du garage, rouvrez-vous! Il est temps de retrouver notre petit ami! Pour me faire descendre. Écrou et boulon, plus de cordes de remorquage. Oh, pauvre Bleu. Tu as subi quelques coups. Nous pouvons utiliser ta fusée pour sortir d'ici. Rien qu'un ajustement ne puisse réparer. Et bien vite, on va s'en tirer. On resserre bien. Et si on te ramenait au garage? Bravo à tous! Nous avons retrouvé Bleu! Rendons-le comme neuf et il sera heureux! Prenez vos outils et dites cette rime! Au garage de Gecko, c'est la réparation qui prime! Contrairement à moi, tes jambes sont rondes pour t'aider à rouler de par le monde! Réparons ses bras! Le gauche, le droit, en resserrant les articulations bien comme ça. Et enfin, de la peinture toute fraîche, pour sortir jouer dès qu'elle sera sèche. Oh, bébé Bleu, à présent, dors bien. On est heureux que tu sois rentré, enfin. Au revoir, tout le monde. Bonjour à tous, je suis Gecko. Aujourd'hui est un jour très spécial. Première visite de bébé camion dans notre garage. On veut donc lui faire un accueil tout particulier, comme Gecko sait si bien le faire. Bonjour, bébé camion. Tu es nerveux? C'est bon, tu es entre de bonnes mains, n'est-ce pas les mécaniciens? Ah! Oh! Bébé camion, attends! Oh non! On a fait fuir bébé camion! Ne t'inquiète pas, maman camion, on va le retrouver! Vite, les mécaniciens! On doit trouver bébé camion! Pauvre petit camion! Où peut-il être? Tu te caches, bébé camion? C'est parce que tu es nerveux? Devine quoi? Moi aussi.
C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolée si on t'a fait peur, mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Passe une excellente journée, bébé camion. Tu as été très courageux. Oh, de rien, bébé camion. Merci beaucoup d'être venu au garage de Gecko aujourd'hui. Au revoir. Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider. Beaucoup de véhicules dans le besoin. Nom d'un petit tournevis, les mécaniciens. Nos amis ont des pneus à plat. Oh là là, on dirait que les véhicules sont fatigués d'attendre. Oh, des écrous et des boulons. Je n'ai jamais eu à fixer autant de pneus aussi vite. En parlant de pneus rapides, ça me fait penser à... Grand-mère! Voilà mon petit Geki. Avec un très gros travail sur les bras. Comment le sais-tu? Le cher petit bleu m'a fait savoir. C'est bien de demander de l'aide de temps en temps. Merci à vous deux. Heureuse de t'aider, comme tu m'as toujours aidée, ainsi que tous les autres. Maintenant, les enfants, on s'organise. Allez, allez, grand-mère. Bon, les mécaniciens, j'ai une idée. T'es exercé, Geki. J'ai appris de la meilleure. Reviens vite, mon cher. Merci, grand-mère. Je ne me lasserai jamais de travailler avec toi. Et tu ne te lasseras jamais de tes blagues non plus. Maintenant, qui a faim? Tu mérites un peu de repos, grand-mère. Mais j'ai apporté ton plat préféré. La tarte aux pommes de grand-mère. Oh! Bonjour à tous. On se prépare pour un carnaval. Les mécaniciens sont en train de terminer leur costume. Oh, j'adore ta veste, grand-mère. Merci, Geki. Le carnaval, c'est l'amour. Bon, où sont mes mini-métallos? Je veux voir leur costume. Une banane brillante. Oh, bleu, mon cœur. Tu n'as pas à être timide, Vert. Tu es superbe. Attendez, où est rouge? Allez, tout le monde, commençons ce spectacle. Qu'est-ce qui ne va pas, l'ami? C'est le design de ton costume? C'est génial! Vraiment! C'est normal d'être nerveux, Rouge. Mais ne t'inquiète pas de ce qu'on pense de toi. Le carnaval, c'est l'occasion de s'exprimer et d'être fier de ce que tu es. Et je serai toujours fier de toi. Oh ouais! Démarrez vos moteurs! Allez, Rouge, tu peux le faire.
Ah, je suis si fière de vous tous. Que le carnaval continue. Tu as raison, Vert. Il y a un feu. On dirait que Fiona, le camion de pompiers, est en route. Oh non! Maman camion et bébé camion font une course. Ils font trop de bruit pour entendre la sirène de Fiona. Fiona, il est temps que l'on t'installe une sirène plus forte. Allez les mécaniciens, il est temps de mettre une nouvelle sirène à Fiona. C'est ça, il nous faut un son pimpon bien fort. C'est fait. Fais un essai, Fiona. Ce n'est pas le bon son. C'est celui d'une sonnette de porte. Essayons encore. Là, c'est le son d'un dinosaure. On a besoin d'un pimpon. C'était un pimpon. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus fort, Jaune. Ce cône de signalisation t'a rendu plus bruyant. Peut-être que ça marchera avec la sirène. Ah, voilà un pimpon bien fort. Au revoir, Fiona. Merci d'être venue au garage de Gecko. Salut tout le monde. C'est Gecko. On est sur le chemin du retour. Quoi? C'est bébé camion. Qu'est-ce qu'il y a, bébé camion? Tu as perdu ta tétine? Ne t'inquiète pas, on va te la retrouver. Allez, allez, les mécaniciens. Essaye de regarder près de ces fleurs rouges. Tu vois quelque chose? Et dans ce buisson vert? Tu vois quelque chose là-bas? Elle doit être ici, quelque part. Désolée, bébé camion. Je ne trouve ta tétine nulle part. Oh, bleu! Bien joué! Tu l'as trouvée! Et voilà, bébé camion. Ah! Tout est bien qui finit bien. Merci pour votre aide à tous. Au revoir! Regardez les mécaniciens, voilà Cap qui arrive. Les nouveaux patins d'hiver que nous avons installés sur Elena l'aideront à atterrir en toute sécurité sur la neige. Hi-ha! Tu as réussi, Elena. Bonjour, Cap. Bonjour, Gecko. Regarde, Rouge. Carrie et Barry font un bonhomme de neige. Hey! Hein?
nom d'un petit chien. Ils partent à la dérive. Allez vite, Tilly la dépanneuse. Ne vous inquiétez pas, les jumeaux. On va vous sauver. Attrape, Carrie. Oui. Kat, tu peux essayer de rattraper Barry? No problemo. Vamos, Elena. Je t'ai. Appuie sur le bouton rouge. On a réussi. Dommage qu'on n'ait pas pu sauver le bonhomme de neige. Gecko? Oups! Lo siento! Pas de problème, Kat. On a un bonhomme de neige après tout. Ou plutôt un gecko des neiges. Salut à tous. On va camper ce soir. Très près de la maison. Nous avons juste besoin de monter la tente. Hein? Quoi? Peu importe, les mécaniciens. Ah, il commence à faire sombre. Allumons un feu et faisons griller des chamallows. Quand vous allumez un feu, ne vous blessez pas. Restez en retrait et soyez vigilants. Regardez, c'est Fiona le camion de pompiers et Dandy. Il doit y avoir une urgence. Au feu! Au feu! Pas de panique, les copains! Dandy est là pour gérer le danger. Attends, Dandy, stop! C'est notre feu de camp. Oups! Désolé, Gecko. C'est bon, Dandy. On va faire griller des chamallows. Fiona et toi, voulez-vous vous joindre à nous? Est-ce qu'on le ferait? Oui, merci! Oui! Oups! Désolé, Fiona! Nom d'une échelle tournante! Les commandes de Fiona sont hors de contrôle! Restez calme, tout le monde! Dandy s'en occupe! Tiens bon, Dandy! Ne vous inquiétez pas! Tout se passe comme prévu! Ce bouton devrait arrêter l'échelle. Ouf. Mettons Fiona dans le garage et réparons vite ses commandes. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. Réparons les commandes de Fiona. Regardons bien ce qu'il se passe par là. Les boutons sont cassés et les leviers desserrés. Un bon coup de pouce, voilà ce qu'on va leur donner. Contre les incendies, ces commandes sont bien pratiques. Fiona et Dandy, bon travail d'équipe. Notre boulot est fait. Réparer ces chouettes, tout le monde est satisfait. C'est tellement amusant. Merci, Gecko. Non, merci, les mécaniciens. J'adore les chamallows. On doit y aller. Quelqu'un a besoin de notre aide. Oups, pas celui-là. Désolé. Eh ben, c'est l'heure d'aller au lit de toute façon. Au revoir tout le monde. Bon travail les mécaniciens. Nom d'un tournevis. On dirait que quelqu'un est contrarié. Oh, regardez, c'est Max le Monster Truck et sa petite sœur, Molly. Voyons si on peut les aider. Bonjour Max, bonjour Molly.
Le rond-point a besoin d'être desserré. Ne t'inquiète pas, Molly. On va le faire tourner à nouveau. Regardez, c'est la famille Camion. Bonjour, bébé Camion. Tu as besoin d'aide pour faire voler ton cerf-volant. Et j'ai une bonne idée. Les mécaniciens, il nous faut de l'huile et une clé à molette. Ok, les mécaniciens, on pousse. Oh! Pas si vite! Oh, des écrous et des boulons, j'ai le vertige. Maintenant, testons mon plan. Prêts les mécaniciens? Attention cette fois. Ça a marché! Beau travail les mécaniciens. Tout le monde s'amuse enfin. Bonjour à tous. Eric l'excavateur est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider? Je crois que je vais choisir... Jaune. Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, Jaune. On va maintenant tester ta chenille. Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh! Il faut un peu d'huile, Jaune. Bien joué, Eric. Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, Jaune? Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir ici, au garage de Gecko. Bonjour tout le monde. Regardez, il neige. Aujourd'hui, nous... Ah! Attention, Bleu. Attends, Tilly, tu n'as pas tes pneus neige. Regardez, Sly est le meilleur véhicule de neige de tous les temps. Ah! Qui a acheté ça? Cette satanée grenouille et ses poubelles. Je vais leur montrer. Prends ça! Sors ton Tilly de là!
pousser les mécaniciens. Nom d'un tournevis qui tremble. Maintenant, Tilly est une boule de neige géante. Oh, pauvre Tilly. Tu as l'air gelée. Tu as besoin d'une protection contre l'hiver. Allez, les mécanos. Prenez vos outils, c'est le moment de réparer. Tournevis, treuil. Et pendant qu'on répare, on dit cette comptine. Mettons dans Tilly ce nouveau radiateur pour qu'elle arrête d'être frileuse et retrouve la chaleur. Tilly a besoin de quelque chose de spécial. Et c'est ce jeu de pneus neige spécial. Chaque nouveau pneu aura une chaîne à neige pour aider Tilly à conduire sur les terrains d'hiver. C'est l'alarme d'urgence. Quelqu'un a besoin d'aide. Porte de garage, ouvrez à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule en détresse. Oh non! Monsieur Weasel est coincé dans la neige. Vous voulez qu'on vous remorque jusqu'au garage, Monsieur Weasel? Non, pas la peine. Sly est très compétent dans la neige. Oh! Ça dégouline sur mon cou! Ah! Oh là là! C'est de la bonne neige, Monsieur Weasel! Au revoir, tout le monde! Ah, c'est tellement agréable d'être en vacances. J'adore le camping. Oh, le feu s'affaiblit. Jaune, tu peux aller chercher du bois, s'il te plaît? C'est le moment de raconter une histoire. Je crois que le livre d'histoire est dans la caravane, Vert. Merci, Jaune. Attends une minute. Ce sont les butées de roues. Ce qui veut dire... Vite! Arrêtez cette caravane! Ah. Il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Ah! Oh! Ouf! Merci, Hiver! Ah! Eh! Oh! 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 Eh! Ah! Ouh! Sacré coup de tournevis! Ah! Hourra! Bon travail, Tilly! Oh, bien joué, tout le monde! On l'a échappé belle! Oui, Vert, c'est maintenant l'heure de l'histoire! À la prochaine! Au revoir! Bonjour à tous! Monsieur Weasel nous a mis au défi d'une partie de football! Et j'ai avec moi deux super camions dans mon équipe. Ce trophée est à moi. Les perdants de grenouilles ne peuvent rivaliser avec les gagnants de Weasel. Rappelle-toi, Max, tu restes dans les buts. Parce que tu bloques absolument tout. Démarrez vos moteurs. Enfin, si vous en avez un. Bonne chance, équipe. Amusez-vous bien. Et c'est parti! Bébé camion triple, enfin avec le ballon! Il n'y a aucun moyen de passer Max le monstrueux gardien! Oh, les roues de Weasel passent à l'attaque! Superbe plaquage! Oh non! Bébé camion a pneu crevé! Oh, pauvre bébé! Quel manque de chance! Weasel pour Sly qui tombe sur Tilly! À présent, le pot d'échappement de Tilly est tombé! Cette partie est folle!
Passe-la-moi! Passe-la-moi, Sly! Tu ne feras que rater! Ah! Oh! Non! C'était de ta faute, Sly! Oh, bon sang! Vous avez tous deux besoin d'une solution rapide! Oh, c'est la mi-temps! Prenez vos outils et réparons! Réparons et chantons cette comptine! Bébé est blessée, mais courageuse quand même! Avec son pneu tout neuf, elle revient dans le game! Le pot de Tilly est tombé sous le choc! Rattachons-le, il sera fort comme un roc! On s'est reposé un peu, on y retourne et on fait de son mieux! Arrêtez de traîner, vous deux! Nous devons gagner, quoi qu'il puisse en coûter! L'équipe Gecko à l'attaque! Préparée, prête à partir! Oh. Wow! Tilly est plus rapide que jamais avec son nouveau pot d'échappement! Attention! Faute! Un défi de corps par Weasel! Carton rouge! Jamais! Il reste encore quelques secondes! On peut gagner avec ce coup franc! Allez, allez l'équipe! Vite! Le garage de Gecko! Non, non, non! C'est pas juste! D'habitude, tricher, ça marche pour moi! Bien joué, les équipes! Le fair play a gagné aujourd'hui! Au revoir, tout le monde! Bonjour, Bobby! Allons bon! Remplaçons ce vieux pare-choc. Ah, écoutez-moi, les mécaniciens. Pouvez-vous enlever le pare-choc, s'il vous plaît? Avec précaution. Attention. Attention. Attention, les mécaniciens. Nous devons travailler ensemble. Merci, Vert. Oh, oh mince. Vous allez devoir finir la réparation tout seul, les mécaniciens. Merci, Vert. Oh, les mécaniciens, vous devez travailler ensemble. Oh, bon travail, les mécaniciens. Vous voyez ce qu'on peut faire quand on travaille en équipe? Comme neuf, Bobby. Bien joué, Vert.